السلام عليكم مشاهدين اخواني اخواتي، هذه الجوله الثانيه في نامير مع الجيد تاع نامير. غادي ان شاء الله يجي لنا يورينا البلايص توريستيك و هيستوريك تاريخيه وسياحيه اللي معروفين في نامير. وهنا رانا تلاقينا معهم بداو يكيديونا في الشوارع تاع Donc c'était des cubes de... ce sont toujours des cubes flâneurs, elles ne sont plus utilisées parce que dans le quartier il y avait beaucoup de profondeur. Et alors dedans on entassait les pots qu'on avait retirés des bêtes avec du broyat d'écorce de chêne. Donc du broyat c'est des tout petits morceaux d'écorce de chêne et avec de l'eau, et donc ça faisait un macérat et ça préparait les pots. Donc nous on vous parle de ces cuves, pourquoi, quel rapport avec les femmes? C'est parce qu'en fait on pense souvent que les femmes n'avaient pas de... on dit souvent les femmes ne peuvent pas faire un travail physique, elles n'ont pas assez de force, voilà. Alors qu'en fait c'est faux, de tout temps les femmes ont fait des travaux physiques, et notamment ici dans le tannage, elles n'étaient pas tanneuses, mais elles s'occupaient d'amener tout ce qui était bois et écorce depuis la Meuse, où on les acheminait par bateau. On amenait tous les arbres par des bateaux sur la Meuse, elles traversaient par là, et elles amenaient tout à pied, et alors elles devaient se dépêcher parce qu'on les payait à la pièce qu'elles ramenaient. Et donc elles couraient pieds nus avec des fagots sur le dos, et elles ramenaient tout ici, et on remplissait les... Enfin, pas ici, ici, parce que voilà, on ne mettait pas le bois comme ça. Elles les amenaient au moulin, y en a un qu'on va voir plus loin dans la visite, et il y en avait aussi dans le sud de la ville, et alors elles amenaient ce bois-là, et elles se chargeaient de faire tout ça. Donc pour les tanneurs. Donc voilà, quand on vous dit que les femmes ne veulent pas faire un travail physique, c'est bien entendu faux, et vous avez maintenant une vraie preuve. Un travail physique, voilà. Oui, c'est ça. Et elle a monté les vitraux entre 1960 et 1969, parce que ça avait été très très endommagé pendant les guerres. Et c'était encore une église qui fonctionnait à l'époque. Non, à l'époque, oui, mais maintenant c'est un lieu culturel. Donc maintenant c'est uniquement des concerts. Bon, ça peut être loué pour festivités, mais ça s'arrête à ça. Quand elles avaient des grosses familles, c'était ça qu'on faisait, les femmes le faisaient aussi. Mais c'est peu connu parce que la gloire revient toujours au père, au frère et jamais à la femme. Voilà. Oui. Ça, par contre, elle est classée pour la ville de Namur et elle cherche un repreneur. Il faudrait bien. Et on ne trouve pas parce que c'est très cher de pouvoir remettre en état une maison une fois qu'elle est classée. C'est quoi qui est marqué dessus? Maison de confiance. C'était lyonnais. C'était leur commerce. C'était leur commerce, c'était confiance. Je ne sais pas une cuisine. Mais ça, c'est lyonnais. Maison de confiance. Mais regarde, là, il y a un café de la Belgique, c'est pas ça? Qui est née, attendez, hein, Aix-la-Chapelle, voilà, j'ai toujours Aix-en-Provence. Donc elle est née à Aix-la-Chapelle et elle s'est mariée avec un comte d'Arstance qui était au service de l'Autriche, donc, et ils sont venus s'installer ici au château de Ferpas, ici au château de Fernelmont. Fernelmont, c'est un peu plus loin, ils sont venus s'installer au château de Fernelmont une fois que leurs trois enfants sont décédés. Maladie, je crois, enfin, à l'époque c'était souvent ça. Donc ils sont venus s'installer ici et elle a toujours été reconnue comme étant intelligente et cultivée, et quand son mari est décédé, elle a réussi à récupérer la fortune qu'ils avaient perdue à la Révolution française, oui c'est ça, en usant de son intelligence, elle a réussi à sauvegarder une grande partie, et donc du coup, de quoi? Pas que de son charme. Ah oui, oui, non, ça, elle était vraiment reconnue comme intelligente et cultivée, donc ça on tient à le dire. Et donc du coup avec cet argent, elle s'en est servie pour ouvrir le fameux hospice d'Arscamp, qui est ici, ah, donc, oui.
et qui à la base était destiné aux personnes déshéritées, donc les personnes qui avaient perdu leur fortune pendant la Révolution. C'était pour qu'ils aient un endroit où finir leur jour et ne pas être à la rue. Donc voilà, les riches sont solidaires entre eux, c'est trop beau. Mais donc cet hospice est un hospice depuis, je ne sais plus, tout en 1812, donc. Et c'était un ancien couvent avant, donc c'est pour ça que le bâtiment était déjà grand. Et donc maintenant c'est toujours un hospice, il va bientôt déménager parce qu'il n'est plus aux normes. Mais par contre, du coup, il y a toujours une mission d'accueillir des gens. Bon, ici, du coup, vu que ça relève, c'est plus des gens qui ont perdu leur fortune, mais par contre, c'est mixte et ils font attention à la répartition homme-femme. Et voilà, et donc ils accueillent les Namurois qui ont moins de moyens pour qu'ils puissent quand même avoir une maison de repos. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur Isabelle, du coup. Là, c'est la place de Lilon. Oui. C'est là qu'on a démarré. Hein. Oui, hein, oui. Okay. Et en fait, je m'a expliqué qu'il y avait plein de petits ruisseaux aussi dans Namur. Et la place de Lilon est formée par deux bras d'un ruisseau. C'est vraiment le ruisseau qui a déterminé la petite place. À un certain moment, la ville a décidé de changer le nom de la place. Et tous les habitants ont levé le poing en disant on n'est pas d'accord. Donc ça s'appelle encore la place de Lilon. Parce que c'est nos racines et que Lilon est toujours présent. On ne le voit plus, il est recouvert de macadam. Le route, mais il est pas là. Donc ils ont obtenu son rappel, la place de Lilon. Donc ça c'était quand même important. Cette porte, à l'arrière, il y avait un grand terrain et c'était les religieux qui étaient à l'abbaye de Florès, qui n'est pas très loin d'ici, pour nous en voiture. Mais à l'époque, c'était long parce qu'il fallait faire à cheval ou en charrette ou à pied et ça leur permettait la nuit de venir s'abriter ici, de trouver refuge là et de ne pas devoir faire la route avec le risque d'être attaqué. S'installer ici, passer la nuit debout ici, avant d'éventuellement arriver à l'abbaye de Florès. Il faut savoir que par après, ça n'a plus appartenu à l'ordre religieux, mais c'est devenu un point de poste pour les chevaux. Et donc, quand on a cheminé le premier, on a. Tu vois le gant. Donc, c'était la confrérie des gantiers, donc les gens qui fabriquent des gants. Ils avaient les mêmes trucs que les tanneurs, le code de conduite que les tanneurs, oui, c'est ça. Hein, mais voilà, eux, leur endroit de travail était là. Et donc, on dessinait un gant parce que les gens ne savaient pas tous lire à l'époque. Et d'accord. Donc, comme ça, visuellement, ils savaient que c'était ici. À l'époque, chaque métier avait sa confrérie, comme un syndicat, comme ça. Et en fait, il n'y avait que les gens qui étaient dans la confrérie qui pouvaient... La dame à qui appartenait le terrain s'appelait Marie Spillard. Voilà. On n'a pas d'autres informations sur cette fameuse Marie Spillard. Une partie de mur qui n'existe plus. Donc il y avait un chemin de ronde, il y a les meurtrières pour la défense de la ville. Et c'était la dernière enceinte, enfin je ne sais jamais le nombre d'enceintes. Mais donc il reste trois tours comme ça en ville, celle-ci. Il y a le beffroi qu'on va voir juste après. Et il y en a une qui est rue Basse Marcel. On descend vers la cathédrale. Et ça servait à quoi? Donc c'était pour les gardes. Donc tu vois, il y avait tout le mur, faisait tout un chemin qui entourait la ville. Attends, je crois que j'ai des photos. Ah mais voilà, regarde. J'ai la ville des envahisseurs. Et alors les pentes, que tu vois, les petites fenêtres, c'est pour pouvoir tirer sur les gens qui arrivent. De Nicolas Bosseret, comme vous pouvez voir, et la chaise de la vérité qui est juste derrière. Ah, le menteur. Mmh. Non, c'est la chaise de la vérité. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une statue de ce monsieur qui est là? C'est parce qu'en fait, il a fondé. Les gens écoutent ce qu'on a. J'espère qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc, il a fondé la compagnie, la Société Royale, pardon, de Montcrabeau, des 40 Molons. S'amuser et de se cultiver ensemble et d'aider les pauvres. Voilà. Mmh. Donc ça, c'était le but de la société à la base. C'est une société, évidemment, où les femmes ne sont pas admises. Il faut être un homme pour pouvoir y rentrer. Mais donc, c'est une société très emblématique du Namurois et qui, chaque année, donc, aux fêtes de Wallonie, qui est une très, très grosse fête dans toute la ville. Toute la ville fait la fête pendant un week-end.
Et eux, ils organisent le concours de menterie. Donc, au concours de menterie, on va s'asseoir sur la petite chaise là, du coup, de la vérité, et on vient raconter une menterie. Donc, c'est une histoire. Parce qu'il était interdit aux dentistes, aux politiciens, aux journalistes et aux avocats. Parce qu'on considérait que c'était déjà des trop bons menteurs. Donc, lui, il est ouvert aux femmes. Les femmes peuvent participer. C'est pas des trop bons. Oh, jusqu'à présent, ça se fait jusqu'à présent. Ça se fait encore aujourd'hui, oui, oui. Donc, il y a une dame qui s'appelle Rita Taillefer. Elle a gagné le concours 5 fois. Et donc, elle était princesse présidente des menteurs. C'est une jeune fille de 18 ans qui l'a gagnée. Coralie de Thiers. Les femmes sont des très bonnes menteuses à Namur, apparemment. On vous parle aussi de ces statues-là parce que, du coup, en parlant du folklore namurois plus général, on a aussi les échasseurs. Est-ce que vous voyez ce que c'est, les échasseurs? Donc, c'est une confrérie donc, qui fait des combats, mais sur des échasses. Donc, c'est des morceaux de bois surélevés. Vous montez et les échasseurs, Donc c'est du folklore namurois et aussi à la base c'était réservé aux hommes et les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les équipes de jouteurs. Mais comme ils voulaient être reconnus par l'UNESCO, donc ils ont été obligés d'ouvrir leur section à des femmes parce que sinon il y avait discrimination. Maintenant les femmes ont le droit de s'en... Il y a des entraînements avec les femmes et tout ça. Et on a fait la première joute féminine l'année passée, en septembre. Parce qu'il a déjà été... il y a eu des tentatives de vol et donc pour empêcher qu'on le vole, lui on l'a mis dans une cage. Mais à la base, il n'était pas dans une cage. Oui. Ça pourrait rentrer dans la même idée de se dire, on le met dans la cage pour qu'il ne s'échappe pas. Et alors... Namuroise. Voilà. Et donc, nous avons des escargots avec les personnages, parce que l'escargot, c'est aussi l'emblème de Namur. Parce qu'on dit toujours que les Namurois sont très lents. Et donc, normalement, il y a une laisse. Et notre ami ici tient l'escargot en laisse pour qu'il aille pas trop vite. Et qu'il c'est des lions, des tigres. Voilà, nous, ce sont des escargots. On parle aussi du beffroi. Donc lui, il a juste un côté historique, mais bon, voilà, il est incontournable à Namur. Donc c'est la tour dont on parlait du deuxième tour qui faisait aussi partie du rempart. Le beffroi ici faisait partie du rempart quand il existait encore. Ça riait et ça protégeait la ville. Ça n'a pas toujours été le beffroi. Je ne sais pas, déjà, est-ce que vous savez de la ville, donc des remparts comme on a vu la tour Spina. Donc c'était le plus grand. Mais là aussi, il a été à ce moment démoli. Et donc là, il reste à peu près un tiers de sa hauteur par rapport à... Et le toit n'est pas d'origine. Un tiers. Le toit, la flèche. Vous savez que quand ils sonnent les cloches, on les entend dans la plaine et qu'on les entend partout dans la ville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand
parle du théâtre, il faut parler des acteurs et des actrices. Il n'y a pas si longtemps que les femmes jouent leur propre rôle au théâtre. Avant, c'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes. Oui. Mais simplement, ils avaient un masque devant le visage. Ils avaient un masque devant le visage. Ils changeaient le masque pour changer d'expression et changer ce qu'ils voulaient dire. Et ce n'est seulement que depuis 1700, les femmes ont commencé à avoir leur propre rôle. Une femme qui dirige le théâtre et qui a plein de projets justement pour amener des femmes auteurs à faire leur spectacle ici à Namur. Parce que là plus loin, dans le bâtiment 6, c'est un énorme institut qui a été créé par Julie Biard. C'est une religieuse, elle était très malade et à un certain moment, elle a énormément prié, et puis à un moment dans sa vie, elle était beaucoup plus heureuse. Et donc, elle a décidé de créer une école dans laquelle elle allait faire admettre toutes les jeunes filles qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour leur donner la possibilité d'avoir un métier, donc d'être institutrice, et d'aller travailler dans les pays ou dans les régions où on avait besoin d'aide. Donc ça, c'était vraiment le départ de l'achat ici des bâtiments. Et très très vite, ils ont eu trop de demandes pour accueillir les jeunes. Et ils ont dû racheter d'autres parties du quartier pour pouvoir justement avoir assez de bâtiments pour les accueillir. Ça, c'est la partie qui est ici devant vous. Mais tout ça, c'est pas ici parce que c'est le café, mais donc tout ça ici, maintenant c'est l'institut. Et nous, ça c'est la première partie ici. Et donc à l'intérieur, il y a une église, il y a un petit parc, et elles ont tout acquéri au fur et à mesure. Et ça marche jusqu'à présent, il y a... Alors c'est toujours une école, c'est toujours l'Institut Notre-Dame, il y a des petits, des moyens... non, il y a des maternelles. Oui, ah, je ne sais jamais. Jusqu'à l'humanité. Il y a même une crèche. La part des sœurs, et à la base, donc, ils s'adressaient aux jeunes filles désargentées. C'est aussi les dames qui ont été les protectrices du trésor d'Hugo Douany. Donc, c'est un trésor d'orfèvrerie, donc c'est des bijoux et des métaux très précieux, qui a été gardé donc, par les sœurs pendant des années. C'est elles notamment qui l'ont caché dans des fermes plus loin pendant la guerre pour ne pas que les nazis le trouvent. Et maintenant, par contre, ça devenait trop compliqué. L'école, elle n'est pas sécurisée pour garder un trésor comme ça. Avant, le centre était ouvert, on pouvait aller le visiter dans l'école. Hein. Mais donc, du coup, c'est la Fondation Croix-Baudouin maintenant qui gère ça. Et le trésor est toujours à Namur. Mais maintenant, il est au Musée des Arts Anciens, donc il se trouve rue de Fer. C'est vraiment super beau, il y a vraiment des super belles pièces. Mais voilà, c'est plus elle qui le gère parce que c'était plus possible. Et aussi, elles ont joué un rôle important à Namur pendant les bombardements parce qu'elles ont permis d'abriter 200 enfants et de les protéger, de les nourrir et les loger pendant les bombardements. Voilà, donc on en parle. On va repartir par là et on va passer dans une autre partie de l'école. Donc on est ici, c'est les Beaux-Arts. Donc les Beaux-Arts, c'est une école d'art. On apprend la sculpture, la peinture, donc tout ce qui tourne autour de l'art. Mais avant que ce soit une école d'art, c'était ce qu'on appelle le monde piété. Et donc le monde piété, c'est un organisme qui permettait d'aller déposer un objet, d'avoir de l'argent en retour. Et si à un moment on avait de nouveau l'argent pour aller rechercher l'objet, on pouvait racheter l'objet au prix où on l'avait déposé. En fait, on voit sur quelques petites fenêtres là, il y a encore des barreaux. Et avant, il y avait des barreaux à toutes les fenêtres. Et à l'intérieur, quand on rentre dans les Beaux-Arts, on voit qu'il y a encore des barreaux partout aux fenêtres parce qu'il y avait évidemment des biens qui valaient beaucoup d'argent et donc il fallait trouver une solution pour se prémunir des voleurs. Il y avait beaucoup d'hommes, mais les femmes n'étaient pas admises. Et c'est seulement dans les années 1930, je pense, que les premières femmes artistes ont pu commencer à aller à l'académie pour apprendre à peindre, à sculpter. Axel, qui est une artiste belge de Bruxelles, non, de cours à l'Académie des Beaux-Arts, et elle a apparemment été l'élève de René Magritte,
C'est ce qui se dit dans ce qu'on a lu, mais voilà, on n'a pas plus de preuves que ça a vraiment été vrai, parce qu'en plus Magritte apparemment n'avait pas vraiment d'élèves, donc voilà, peut-être qu'elle en avait envie avec sa vie, et donc en dessous, de, ça c'est elle du coup, et en dessous, c'est plusieurs œuvres à elle, dont notamment le pied, normalement il est sur un embrayage, parce qu'elle n'avait pas son permis de conduire, et elle se rendait compte que c'était une façon d'avoir sa liberté et son permis. Et tragiquement, elle est morte dans un accident de voiture très jeune, à 45 ans, quelque chose comme ça, et donc alors qu'elle n'avait même pas son permis. Le casque, c'est aussi une œuvre d'elle, et alors... Un documentaire justement inédit, et c'était surtout en fait une soirée qui était combinée en fait avec une balade guidée, donc pour certaines, parce qu'on était surtout des femmes à la balade, on a pu donc participer à une balade guidée qui avait lieu tout à l'heure dans l'après-midi, mais on en parlera un petit peu plus tard, organisée justement par... des guides de vie féminine et des citoyennes, mis en place par Loisir et Vacances, également un autre partenaire de cette soirée. Et l'idée, c'était voilà, c'est de faire un peu un focus, justement, sur ce mouvement féministe, de montrer que bah, voilà, il y a différentes manières de se réapproprier la ville, de se réapproprier son quartier, de pouvoir se réapproprier l'espace public, tout simplement. Et on trouvait ça assez judicieux, au Grineau, de pouvoir soutenir, justement, une activité comme une balade guidée, et en plus après de combiner évidemment avec un moment de cinéma puisque c'est notre métier. Je remercie donc Loisirs et Vacances, SBL, le MOC et Vie Féminine, pour cette initiative parce que c'est eux qui sont venus taper à notre porte pour dire bah, ça serait bien de proposer justement ce documentaire. Le documentaire que vous allez découvrir va nous emmener en fait dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles. On va y rencontrer et y entendre en fait plusieurs femmes guides issus de l'immigration, qui vont justement pouvoir un peu nous expliquer comment, grâce à une maison de femmes, comment à une formation de guide, comment reprendre justement pied dans l'espace public bruxellois. Ben voilà, il va y avoir toutes des notions de sens critique, d'éveil à l'émancipation, d'empowerment tout simplement. Bref, tout ce qui fait qu'à un moment donné, une femme peut se reprendre confiance en soi, faire collectif, parce que ça aussi on voit l'importance d'être à plusieurs, et peuvent justement faire un peu évoluer la société patriarcale malheureusement qui est encore en train de s'installer en ce moment, surtout avec les actualités de la semaine dernière là. Je crois que c'est bien de montrer qu'on est unis et qu'on est plusieurs. Donc le documentaire, voilà, c'était pour ça aussi qu'on voulait le présenter ce soir. Certes, voilà, ça se passe à Molenbeek, mais comme on sait que des balades guidées sont mises en place ici à Namur, c'était aussi ça qu'on avait envie de mettre en avant, de montrer qu'il y a un maillage, il y a un écho dans différentes villes. Il y a des partenaires associatifs qui militent depuis très très longtemps pour un engagement, pour une reconnaissance justement des droits des femmes. Et voilà, c'était aussi pour les Grignoux une manière de les soutenir et surtout de mettre en avant ces activités. Donc ces activités sont pour être regroupées dans ce qu'on va appeler l'été citoyen. En fait, vous allez avoir plusieurs balades qui vont être organisées ici à Namur.